Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit exercice avec la double balle pour réduire le stress, réduire les maux de tête et soulager les tensions au niveau du cou. Avant d'attaquer cet exercice, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour bouger mieux au quotidien. Voici donc un petit exercice donc pour réduire le stress, les maux de tête et puis les tensions au niveau du cou. Si vous avez tout le temps le nez devant l'ordinateur ou le nez sur votre téléphone, cela peut créer des tensions au niveau du cou. Pour cet exercice, vous avez besoin d'une double balle. Alors ici, c'est la Duo Ball de chez Blackroll. Vous en avez d'autres, ou alors vous pouvez prendre deux balles de tennis que vous enfilez simplement dans une chaussette et puis vous faites un nœud au bout de la chaussette. On va venir se placer sur le côté. On va venir placer la double balle juste derrière la tête. Ici, donc on est vraiment sur l'os, on est à l'os du crâne. Ici, donc partie basse, du crâne. On se place sur le côté, on vient placer la double balle. Parfait, les jambes fléchies, les bras le long du corps. Vous pouvez commencer tout doucement par faire oui-oui avec votre tête. On amène le menton vers la poitrine et un peu vers l'arrière. Tranquillement, inspire et souffle, inspire et souffle. Donc pas trop vite, on y va tout doucement. On inspire et on souffle. Si la double balle bouge, vous la replacez, donc toujours partie basse du crâne. Si elle est trop haute, vous verrez que vous n'arrivez pas à faire lui avec votre tête. Placez-la vraiment tout en bas du crâne. Inspire et souffle une dernière fois. On souffle. Parfait. On reste là. 4 bonnes respirations. On inspire, on gonfle le ventre d'abord. Ensuite les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Encore 4 bonnes respirations. Encore 2 fois. Dernière. Parfait. On reprend notre mouvement de la tête. Donc on amène le menton vers la poitrine. Et ensuite on regarde derrière. Inspire, le menton vers la poitrine. Et expire, on regarde derrière. Inspire, on souffle. Tranquillement, on regarde bien toujours la tête en appui, sur la double balle, inspire, on souffle, tranquillement, encore 2 fois, essayez d'avoir la plus grande amplitude possible dans cet automassage, on se stabilise, on reste. 4 bonnes respirations, vous pouvez fermer les yeux. On se reconcentre toujours sur la respiration, donc le ventre d'abord. Ensuite les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Dernière respiration. Et on souffle. Parfait.
On enlève doucement la balle. On va pivoter en même temps sur le côté. Hop, prenez appui sur une main pour vous redresser. Mettez-vous assis simplement, les épaules basses. Concentrez-vous un peu sur vous-même, sur vos sensations. Comment vous sentez-vous? Prenez deux bonnes respirations pour vous concentrer sur vous-même. Parfait. Alors vous pouvez faire cet exercice donc plusieurs fois, à peu près 8 mouvements de la tête, et puis après juste 4 respirations sans bouger. Voilà, bah dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. N'hésitez pas à me dire quelles sensations vous avez ressenties suite à cet exercice. Vous avez une zone de commentaires juste ci-dessous. Je vous invite également à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. Vous avez juste le lien juste également sous la vidéo. Faites un petit tour sur le site internet roulesurlaforme.fr. Vous y retrouverez différents programmes pour améliorer ou entretenir votre mobilité. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao, ciao.